be forever. Let's do King Julian style. Salutations les amis, on se retrouve pour le 40e épisode sur notre let's play de The Forest. Nous sommes toujours perdus dans notre petite grotte suite à notre dernière visite malgré nous ici. Alors on va continuer à essayer d'explorer un petit peu les environs et faute de mieux on sortira pour essayer d'en trouver d'autres. Je vais essayer de repasser par là parce que ce chemin, je crois qu'il y en avait un autre dans le même style. Un peu plus loin, donc je vais essayer de voir et de confirmer si je me trompe pas ou non. Donc on va passer par là pour commencer. Je sais pas si j'y suis allé d'ailleurs. Ah peut-être. Je vais monter par là pour voir. Là il y a un chemin, cette fente, je sais même pas si celle-ci je l'avais prise. Je vais zioter un petit coup d'œil rapidement. J'en ai marre de ce briquet, hein, toujours qui s'éteint quand on en a besoin. Les petites planches comme ça sur le sol, ça me dit quelque chose. Mais bon, il y a plusieurs endroits qui peuvent nous rappeler potentiellement déjà un chemin qu'on a déjà pris alors que non. Donc bon. Ok, alors là j'ai des chaises qui volent toutes seules dans les airs. Je me demande s'il n'y a pas un cul-de-sac. Par contre il y a les valises donc je serais peut-être pas venu pour rien. Je vais réouvrir. J'espère qu'il n'y aura pas que des vêtements dedans, ce serait bien. Et puis on entend toujours l'autre qui est planqué en dessous. Je me demande s'il n'y a pas une autre salle qui serait pas. Peut-être même au-dessus ou en dessous d'ailleurs. Ok, alors je peux pas prendre le petit jus là. Je vais quand même ouvrir les autres. Deux tissus. Je m'en serais fait un bon stock en tout cas, donc ça c'est cool. Je vais manger une petite barre vu que j'ai pas de place pour la prendre. Comme ça je peux la récupérer. Ça avec. Ça je l'ai déjà. Alors. Je vais me refaire quelques molotovs. Comme ça ce sera fait. Faudrait que je retombe sur des montres aussi pour me faire des. Non, ça je veux pas te prendre. On va éviter de faire n'importe quoi. Hop, je vais aller m'en refaire un pour choper l'autre. Donc je disais que ce serait bien aussi qu'on retrouve des mondes pour se faire des bombes. Ok, elle est là. Ma foi, ma lac, je vais la reprendre. Et puis bon, on va partir de là. C'est vrai qu'on reste plus longtemps. Je vais quand même bien zioter les parois, mais je pense que c'est mort. Il n'y a pas un truc là. Non, je crois pas. Je vais éviter de tomber dans l'eau. J'ai pas envie de me les geler. Ah, la map, ça donne quoi? Moi, je suis dans une petite salle où il n'y a pas de passage. Décidément, pas de chance. Je pense que de toute façon, ici, on a fait un peu tout le tour. On va pas perdre plus de temps. Je vais repasser ici. Et puis on va aller voir de l'autre côté ce que ça donne. Est-ce qu'il y a un petit passage? Ça, on va être là pour explorer, hein. Quitte à prendre une sortie et à changer de secteur sinon. Ah, parce que là j'ai une sortie. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de chemin après sur le. Sur la map. Moi, je veux pas sortir tout de suite. Donc je vais retourner de l'autre côté. C'est toujours aussi calme. Là, il n'y a rien. Là, je peux rien prendre. Je suis sûr de passer à côté de quelque chose en plus.
pas de passage. Là, c'est d'où je viens. Alors, je sais pas si l'autre descente est dans le coin là. Alors, il y a la petite pente là qui m'emmène en bas. Là, j'ai une montée. Ah, je pense que j'ai confondu avec ce chemin là alors. Je vais passer ici pour voir. Se trouve, ça me ramenait au début. Alors, on va bien voir. Ah bah ça, il y a la planche. Il y aura juste une corde derrière. Sans, je me retape que la corde. Misère. Bon, je vais prendre ce chemin. Hein. Faites à croire que j'ai fait tout le tour. Et que je peux pas aller plus loin. Quoi. Ok, on n'a rien vu. Ouais bah je reviens pas. Donc en gros ouais j'ai fait tout le tour. En passant par là. Je vais redescendre ici. Puis bah sinon je vais changer de secteur quoi. Mais il me semblait vraiment qu'il y avait une autre, un autre chemin qui montait. Alors peut-être qu'au final en faisant tout le tour c'était exactement le même. Mais je pensais que c'en était deux différents. Là-bas, il y a le trou avec l'eau. Là, je vais quitter les lieux. Hein. Ou alors, je vais repasser par... Non, je vais pas aller là. Moi. Normalement, il y avait un autre chemin étroit. Donc, au pire, on va essayer de voir. Au pire, je vais monter par là. Je crois qu'il y a une corde et une sortie. Ah non, je crois que là, non, il n'y a pas de passage. C'est fermé. Je vais quand même aller vérifier. Hein. Ouais, c'est bien ça. C'est bouché par là. Alors, peut-être qu'en montant avec la corde, si je la retrouve... au fond, en longeant la paroi, il y aura un passage. Parce qu'au final, j'étais descendu un peu rapidement la dernière fois. Et j'ai pas checké le mur de droite. Donc on va vérifier ça. Donc là, effectivement, c'est bien fermé. Là, il n'y a absolument rien. Je me retape des vêtements. Ma petite laque. Donc là, j'ai que des bouteilles. Ouais, des bouteilles. Hein. Des bouteilles et des bouteilles, des bâtons. J'aimerais bien aller voir en haut s'il n'y a pas un chemin. Là, non. Et puis malheureusement ici c'est pareil, je pensais que j'aurais peut-être de quoi me faire plaisir d'aller visiter une nouvelle zone, mais au final c'est fermé. Là ça mène nulle part, donc au final on est obligé de redescendre. J'ai cru voir un truc là, s'il te plaît le briquet, ouais non il n'y a rien. C'est juste les reflets de la paroi.
Je hais cette salle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça sert à rien que je redescende de l'autre côté. Le seul chemin qu'on pourra emprunter, c'est là. Mais j'ai pas la combinaison, enfin du moins le masque de plongée. Donc c'est mort. Là, cette paroi aussi. Alors je vais essayer de repartir. Ou je sais pas. Mais ouais, je vais repartir. Puis on va se rendre dans un nouveau spot de grotte. On va aller. J'aimerais bien aller voir limite près du cratère. Faudrait que j'arrive à retourner au cratère et on va aller inspecter là-bas. Je vais éviter de re-sauvegarder. Je pense que je peux même repasser par là. Ça ira plus vite que si je repasse de l'autre côté pour faire tout le tour. Et puis on va essayer de trouver de quoi se faire plaisir. En espérant ne pas mourir, bien sûr. Je vais passer là pour voir. Pas de chemin en haut. Non. J'aime pas avancer quand ça s'éteint. Ok, là il y a une corne. Je crois pas être venu là. Est-ce qu'on aurait trouvé un nouveau chemin? Ou alors est-ce que c'est celle du départ? Ouais. C'est bien ça, celle du départ. Ok, on va se manger une petite barre de chocolat. Je vais boire un soda. Comme ça, je le ramasse. L'autre, il est toujours perdu avec sa boussole. Donc là, ils m'ont remis les petites valoches. Ok, super. Tu peux taper la valise, s'il te plaît? Utiliser. Sans voir s'il en restait beaucoup ou pas. Ça avait l'air d'être le cas. Quoique. Allez, hop, reprends-en une nouvelle. Comme ça, c'est fait. Bon, bah écoutez, on va ressortir par là, puis on va essayer d'aller en direction du cratère. Hein. Je pense à secouer un peu plus de tronçons de cadavres là. Qui m'a fait tomber des sous. C'est vrai que c'est des piñatas en eux. On va se dépêcher. Plus je suis un peu léger en armure. Ah puis c'est la nuit, super. Ouais, j'ai que deux os. Donc l'armure c'est mort. Le crâne et balles de tennis c'est mort aussi, j'en veux pas. La corde je peux pas la prendre. Quelle belle création artistique. Normalement il y a un petit spot de boisson là. Ça j'en ai besoin vu que j'en ai utilisé pas mal la dernière fois qu'on a visité les lieux. Par contre ouais, je suis pas enchanté d'être là en pleine nuit. Je vais vite essayer de trouver ce dont j'ai besoin et je pars. Comme ça là. Je vais en boire une. Voilà, ça c'est fait.
Tout est ouvert. Ça, mais ils sont pas refermés par contre. J'allais dire réouvertes, mais en fait non, c'était l'inverse. Ah, les cordes, je peux pas les attraper. Je vais essayer de gauler un max de tissu. Ok, lui donne rien. Ouais, non, je suis pas sûr qu'on puisse faire péter le sol. Je crois que j'ai déjà testé en plus. Ok, bon, j'ai fait le tour. Alors, on va essayer de se faufiler derrière le campement. Je vais longer le bord. Le temps que le jour se lève. J'espère que je prends la bonne direction. Voilà, je crois que je suis plus en train de m'enfoncer dans la forêt. Il faudrait que je reparte par là. C'est un peu tendu ce que je fais de me promener comme ça avec la carte dans les mains. Ok. Donc là c'est bon, c'est par là. En fait, faut que je retraverse le camp. J'aimerais bien voir ce que c'est ça. Ah, ok. C'est juste une valise ouverte. Alors, est-ce que je peux remplir ma marmite? S'il vous plaît, donnez-moi de l'eau. Je peux pas remplir ma marmite ici, si c'est. Ok. Ça, c'est fait. Ah, je peux peut-être goler un ou deux poissons tant que j'y suis. Voilà. J'espère qu'ils vont pas périmer. Mais au moins, comme ça, si j'ai faim, au pire des cas, je me les ferai chauffer. Je crois qu'ils sont pas bons. Ouais, c'est pas bon ceux-là. Ok, alors j'espère que c'est bien par là. Ah ouais, on a découvert tout le tour de l'île. C'est bien affiché. Mais ouais, alors là, je vais pas dans la bonne direction. Quoique j'aurais pu voir un peu ce qu'il y avait par là. Peut-être qu'il y aura une entrée de grotte. J'espère surtout que je vais pas me faire bouffer le cul. Ça me rassure pas des masses. Mais bon, quand on n'a pas le choix. Hein. Voilà, autour de ce petit rocher là. Est-ce qu'il y a une petite entrée de grotte? Alors peut-être plus bas. Tandis qu'on voit rien du tout. Sûr qu'il y a une entrée de grotte dans le coin. Juste là, on est au bord de je sais pas quoi. Alors j'espère que je suis pas près du si j'ai l'impression que je suis arrivé au cratère hein. Non, le cratère il peut pas être là. Ah ok, je suis près de la côte. Ok. Bon, écoutez, je vais repartir dans cette direction. Ok, alors je vais pouvoir lâcher mon briquet.
J'espère qu'on va pas retomber sur des maboules directes. Mais ouais, je me dis qu'il serait aussi vraiment temps qu'on trouve le matos pour aller dans les grottes, parce que même dans l'eau, il y a des ils avaient fait après leur dernière mise à jour, enfin grosse mise à jour, ils auraient mis des grottes aquatiques là, perdues au milieu des petits îlots. Donc j'aimerais bien les récupérer, ne serait-ce que l'espèce de toboggan. Si j'arrive pas à m'en sortir avec mes tyroliennes, je me fais un toboggan. Et comme ça, c'est fait. Donc là, on va être de retour sur le village. Voilà. Il y a une valise, je vais aller l'ouvrir. Est-ce qu'il me ferait passer par là? Non, je fasse tout le tour. Ah bah alors toi, merci d'être resté en mode papy. Hop. Je sais pas ce que c'est qu'il y a à manger dessus là, mais. Oh, ça a l'air d'être bon. Ah, j'ai récupéré que deux feuilles. Ok, bah j'aurais dû manger la dernière graine. Ok, des vêtements. Là, il y a masse corde, mais je peux pas la prendre. Ok, toujours des feuilles. En tout cas, je me suis remis un petit peu la santé à. Un petit peu d'appoint. Ça, c'est rouge. Alors, je vais pas le manger par contre. Et puis on va essayer de s'enfoncer. Et puis je verrai bien si au niveau du cratère, je crois qu'il y a une entrée de grotte le long de la paroi. Donc à voir. Et sinon j'essaierai de faire du toboggan avec ma carapace. Enfin pas du toboggan mais de la luge. Avec la carapace de tortue que j'ai sur moi. Alors au pire, je me ferai une petite habitation, histoire de sauvegarder, si je viens à mourir, dans une chute fatale. Là, je pense encore à ma tyrolienne qui avance pas du tout à cause de là. Ah, puis j'aime bien trouver d'autres indices sur Timmy aussi, ça fait un petit moment. Le dernier truc que j'ai trouvé, c'est la tête là. Ah, s'il faut récupérer le corps, les bras et les jambes, ça non plus, je suis pas prêt de l'avoir. Ah, ce serait bien aussi qu'on découvre. Je pense que la prochaine fois, ce qu'on va faire, hein, mission map, histoire de découvrir toute la zone. Car là, je vais éviter de tomber. Je pense qu'il y a une sortie de grotte. Il y a plein de totems. Ah, je vais descendre plutôt par là. Comme ça, c'est fait. Alors, si une entrée de grotte, je vais pas rentrer ici. Hein. Ça se trouve, ça va me ramener à là où j'étais déjà avant. Puis, a priori, il n'y en a même pas. Il n'y a que des totems. Je sais pas pourquoi ils ont foutu plein de totems ici. S'il n'y a pas d'entrée de grotte. Ah, y a rien. Il y a juste un Bambi, mais j'ai pas le temps pour toi, Bambi. Alors, on est où? Ok, super. Je suis en train de longer le bord. Je m'enfonce pas des masses là. Alors, j'espère qu'il y en a pas qui sont en train de me zioter perché dans leurs arbres. Il y a du totem. Très élégant.
Ok, alors là j'ai ma sortie de grotte. Donc ça c'est justement celle qui communique avec celle d'où on vient. Donc je vais pas y retourner. Là j'ai toujours un piège. Je me souvenais pas que j'avais mis un piège juste ici. Je peux réparer ça. Ok, bon, on va réparer, hein. Alors on va essayer de couper par là. On va faire un petit tour vite fait. Ok, les vêtements je m'en fiche. Les cordes je peux pas en prendre. Ça sert à rien non plus que je monte en haut. On va faire le tour par là. Ah si, il se met à courir, j'ai cru qu'ils étaient tous buggés. Après moi ça m'arrange, hein. S'il ralentit et qu'il se laisse capturer, tant mieux. Ok, la map ça donne quoi? Donc là on est bien au lac. Ce serait bien que j'aille... Là je suis en train de redescendre. Alors, je vais repartir par là. J'aimerais bien monter au-dessus. Aller un peu plus au centre de la map. Ok, je suis de retour au crash de l'avion. Ça faisait un bout de temps que j'étais pas repassé là. Oula! Laissez-moi tranquille. Il y a un spot d'eau là dans le coin. Je peux pas me percher sur mon caillou. Je peux peut-être monter sur celui-là. Bah ouais, t'as payé. Énorme. Allez, mets-lui un coup là, t'es sérieux, il est à côté. Non mais ils abusent. Allez, venez par là les gougous. Non. Redescends toi. Attendez, je mange un bout. Ah, tout ça c'est cru. Je vais manger ça vite fait. Bon, ils ont décidé de partir. Ah, ils vont sûrement se repointer, hein. Ah, il y en a un là. Bon, s'il faut, je charge l'arc, les gars. Hein. Je sais pas s'il y a une petite grotte à côté. Enfoiré, va. Tiens, regarde. L'équipier, ouais. Il se fout de moi ou quoi?
Toi, je vais te faire brûler, il est où l'autre? Ok, bon, en attendant qu'il se pointe. Ah, je vais me poser un petit feu. Juste ici. Voilà. On va se mettre un peu de feuilles. Toi, je vais te ramasser. On va cramer ta tête. Tiens dans la jambe. Ok, je te lâche dedans aussi. Ça c'est fait. Je peux aller récupérer ma lance. Parfait. Ah bah écoutez, hein. Voilà. Je vais essayer de me poser. Il y en a d'autres ou quoi là? Voilà. On va se refaire de l'armure. Je remets des petites feuilles. Ah, écoutant. Ah, ça, tu l'as pris. Non, vous êtes sérieux ou quoi? Je l'ai pas eu, genre. Voilà, merci. Ouais, je peux récupérer mes flèches. Voilà, toi, je te mets à cramer. Je récupère la dernière. Hop. Je sais pas si j'en ai loupé dans le coin. Pas non plus trop m'enfoncer hein. Si je trouve tant mieux, si je trouve pas tant pis. Pendant qu'elle crame, je vais me monter sur mon petit rocher, je vais me refaire de l'armure. Voilà. Je vais équiper ça tout de suite. Portée, voilà. Et il me reste que deux os. Je vais reprendre ma lance. Je vais me faire aussi une petite habitation à côté, tant qu'on y est. Voilà. Je vais ramasser tout ça. Alors, je vais éviter de me cramer par contre. Voilà, ce serait bien que ça me laisse ramasser ce dont j'ai besoin. Là, je vais mettre tout ça ici. On va se faire une petite sauvegarde. Et puis ma foi, bah écoutez, on reprendra ici avec l'autre maboule là. Donc voilà, écoutez, si ce petit épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis on se retrouve pour aller en direction du cratère. Sur ce, je vous laisse, survivez bien, à la prochaine, ciao ciao tout le monde. Excellent! Oh, donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt, les doigts, les doigts, les doigts! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil? Un authentique héros! Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau!